Bonjour les créatifs, après nos feuillets, on attaque nos pages. Pour notre première page, je souhaite qu'il y ait un volet. Dans une feuille de craft que je vais perforer avec ma perfo de bordure, je marque un pli à 19 cm et je coupe à 22 cm. Sous ce volet, je vais réaliser deux accordéons qui me permettront d'ajouter plusieurs photos. Je vais marquer des plis à 9 cm, à 18 cm et à 27 cm. Je réalise mon deuxième accordéon de la même façon. Je vais venir prendre les mesures pour couper le fond de ma page dans un papier fantasy de notre bloc 30 sur 30. Je trace mes emplacements pour que mes accordéons soient à 1,5 cm de chaque bord. Puis je fais une incision à l'aide de mon cutter. Je pourrais ainsi venir coller la patte de mon accordéon par-dessous mon papier de fond. Je renforce mon collage avec du scotch craft. Sous mon volet, je vais ajouter une carte pop-up pour donner du dynamisme à ma page. Dans une feuille 30 sur 30, je vais prendre mes mesures pour couper le fond de ma page.
Dans mon papier 15 sur 30, je fais la même chose pour recouvrir ma carte. Il va me falloir un système de fermeture. Je vais fabriquer une flippette. Je vais avoir besoin d'une attache parisienne dans un coloris assorti. Et je vais utiliser une matrice de coupe spécialement pour les flippettes. J'en profite ici pour utiliser mes chutes. C'est un embellissement très simple à faire. Je commence par nettoyer mes petites découpes. Il ne me reste plus qu'à coller les 7 épaisseurs de papier en prenant soin de bien les placer bord à bord. Une fois sèche, ma flippette sera suffisamment solide pour sa fonction. Puis je viens la fixer à l'aide de mon attache parisienne. Ici encore, je sécurise avec du scotch Kraft. Je vais pouvoir recouvrir mon volet d'un papier fantaisie. Je décide d'ajouter une pochette que je coupe dans mes chutes de papier Kraft.
Je n'oublie pas ma bordure décorative. J'ajoute du papier fantasy sur le dessus de ma poche. J'en ajoute aussi à l'intérieur de ma carte. Je vais aussi découper du papier fantasy pour chacune des faces de mes accordéons.
À l'aide d'une matrice de coupe, j'ai découpé deux cadres auxquels je vais ajouter un fond. Puisque je veux commencer à décorer ma page, je vais décrocher les éléments que je souhaite utiliser. J'en parle plus précisément dans la première vidéo consacrée à cet album. Je conserve les chutes dans lesquelles je pourrais faire de petites découpes assorties. Je colle mes stickers sur mes chutes afin d'en faire des embellissements qui auront plus de tenue. Je découpe mes cercles avec une perforatrice à taille adaptée. Pour le reste, je m'applique avec une paire de ciseaux. Je vais faire la même chose avec mon bloc de luxe. Pour laisser la place à l'épaisseur de mes accordéons ainsi que de mes photos, je vais réaliser un pli à 1 cm de mon pli pour créer un soufflet. Je vais renforcer cette partie avec du scotch craft.
fermer ma page, je vais créer deux pattes décoratives à l'aide d'une perforatrice. Si vous n'en possédez pas, vous pouvez découper une bordure arrondie ou fantaisie au ciseau. Je renforce mes pattes à l'aide d'œillets. Je marque des plis pour l'aisance de ma page. Je colle mon feuillet. Et je renforce avec mon scotch craft. J'installe ma deuxième patte. J'utilise de la ficelle pour fermer le tout. On peut passer à la déco. Je vérifie régulièrement que mes éléments ne gênent pas la fermeture de ma carte. Je vais réaliser un tag décoratif qui me permettra de mettre une grande photo de naissance dans la poche que nous avons créée.
Le reste n'est plus que décoration, que je vous mets en accéléré pour ne pas que la vidéo ne soit trop longue. J'utilise les embellissements de nos blocs ainsi que des découpes. Ma déco terminée, je peux enfin coller ma page sur mon feuillet. Et voilà, notre première page est terminée. J'espère qu'elle vous plaît et qu'elle vous donnera envie de la réaliser. Si la vidéo vous a plu, merci de cliquer sur le pouce afin de m'encourager. Si cela n'est déjà fait, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être prévenu dès la sortie de mes prochaines vidéos. Je voulais vous remercier pour les commentaires encourageants que vous êtes de plus en plus nombreuses à me laisser. Un grand merci à vous. Je vous dis à bientôt pour la suite et prenez soin de vous.
Pour celles qui sont restées jusqu'à la fin, voici un aperçu de notre seconde page. Bisous !